Bah écoutez les gars, vous savez quoi, je m'en bats les couilles. Je vous prends votre cavale. Vous avez fait les shows. On va voir maintenant. On va voir maintenant si vous avez des balls, le chat. On va voir. Ah, et là, ça rentre dans des trucs tactiques. Il y a débat. Ça, j'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça, ça débat, ça se pose des questions. Et ça envoie le tour pour le 5. Ah ouais, j'avoue que j'avais pas calculé ce coup. Checkmate. Mais alors là, les amis, est-ce que j'ai pas genre... prise ? Attends, je regarde. Je calcule. En fait, faut que je calcule sans dévo ce que je veux faire. Attendez, j'ai un piège. Je vais vous piéger, les mecs. J'ai un piège de ouf, là. Prise. Tac. Ah, j'ai un piège, hein, les gars. Oh, merci ChasseurNet pour le follow, pour le sub. Enfin, merci beaucoup. C'est pour tester l'overlay. Ah, mais il est bien testé. Est-ce que ça a marché? J'ai pas vu, mais si ça a marché, cool. Cool. Merci beaucoup, c'est super sympa. Bah écoutez, les gars, vous savez quoi? Je m'en bats les couilles. Je vous prends votre cavale. Vous avez fait les shows. On va voir maintenant si vous avez des balls, le chat. On va voir si vous tombez dans le piège ou pas. Est-ce qu'il y a un piège? Déjà, c'est déjà le premier piège. Le premier piège, c'est est-ce qu'il y a piège ou pas? Et s'il y a piège, quel est le piège? Attention à ce que vous faites. Attention à ce que vous faites. Ah ouais, The Power is Mine, spoil pas. Oh là là, si vous avez Power is Mine en capitaine du chat, il est en train de carry, mais je vois que ça joue entre F5. E4 et B4-E1. Donc B4-E1 et F5-E4. Ah oui, mais c'est toute la question. Toute la question est là. Qu'est-ce qu'on fait? Je bluffe? Non, je bluffe pas. J'ai un gros piège. Ça dépend de ce que vous faites. Bien sûr. Ok. Donc là... On va voir si ça marche ou pas, mais pour moi, je fais cavalier D6, là. C'était ça le piège. Est-ce que le chat est tombé dans le piège? Est-ce que le piège fonctionne? Nous allons voir. Alors, qu'est-ce que ça dit, là, les amis? Ah oui, tout de suite, quand y a plus la théorie, ça met en PLS. Ça met en PLS. Alors, ça dit quoi? Ça dit E1, D2. Comment ça, E1, D2? E1, ah oui, E1, D2, ok. Ok, vous me dites E1, D2, ok. Ou alors E8, E5. E8, E5. Ah ouais, d'accord, comme ça, ok. Ok. Ah, et là, ça rentre dans des trucs tactiques, il y a débat. Là, il y a débat, les amis. Ça, j'aime bien voir ça, ça débat, ça se pose des questions, et ça envoie le tour pour E5. Ah ouais, j'avoue que j'avais pas calculé ce coup, mais est-ce que c'est si grave que ça? Je prends et je reviens avec... Ah mais là vous faites fumer les gars, non? C'est une erreur, je crois. Genre juste je prends. Et là vous avez deux pièces en prise, hein, les gars. Vous avez deux pièces en prise, les gars. Aïe aïe aïe, le chat en PLS. Le chat de la team pion jaune en PLS. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ah, en fait, vous avez 60 secondes en fait pour voter. Mais pourquoi vous avez plus de temps maintenant? C'est bizarre. Bon, écoutez, c'est bien. Ça va, t'as calculé? Ah, vous êtes pas mal. Ah, merde. Ah, je m'enflamme alors.
C'était marrant quand même cette phase-là. Victor, c'est attention à ta notation, il faut écrire les deux en minuscules et attachés. Les deux noms de cases en minuscules et attachés. Je crois que ça ne te prend pas en compte sinon. De toute façon, votre vote, vous voyez, vous avez... il y a un petit message jaune quand votre vote il est pris en compte. Hein. Attention, 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 attention. Est-ce qu'on se fait dessus? Est-ce qu'on se fait dessus? Alors là, vous voulez mettre votre fou ici, vous voulez essayer de sauver votre fou. Mais ça va pas marcher, je pense. Explique le truc, je capte rien. Bah c'est simple, Filches, le chat vote pour les coups et une fois que le timer est fini, bah le coup qui a la majorité l'emporte. Comment ça vous allez me piéger? Attends, je crois savoir votre piège à la... Attends, moi j'ai envie de faire tour D1, menacer le fou, mais j'ai peur de me prendre des trucs comme ça, où je dois protéger et vous arriver comme ça. Ah mais non, parce que si j'ai une tour là, en vrai ça passe. Non, je pense tour D1, ça passe. Vous pensez que j'allais faire tour C2? Je fais ça. Ah oui, mais attends, ça, admettons ici, prise, échec. Non, j'ai encore ça et c'est bon. Hein. Et tu viens là, mais je bouge. Et on est bon. Ok, non, je pense que je suis mieux. Je sais pas si je rate des trucs, mais je pense que je suis mieux. Hein. Vous me faites des dingueries ou quoi? Ouais, tu vois, il y a le bot Filches, il te donne l'exemple de comment mettre ton coup. Donc tu peux mettre un point d'exclamation devant, mais même sans point d'exclamation, ça marche en fait. Alors là, vous me faites quoi? F5, D3? F5, D3? Ah, les bâtards! Ok, c'est bon, j'ai compris, je m'attendais pas. Ouais, mais maintenant, tout le monde va faire ce coup, tout le monde va faire ce coup, maintenant. The Power is Mine, il a pas l'air chaud pour foutre des trois, en fait. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 il y a une erreur, en fait. Le chat qui est parti dans la mauvaise direction. Le chat qui est parti dans la mauvaise direction. Ah oui, je bluffais, les gars. Je bluffais. Non, c'est pas comme ça, Filches, les coups. Filches, les coups, je t'explique, tu dois écrire, par exemple, si tu veux faire fou des trois, hein, au hasard, tu fais F5... D3, tout attaché. Ça prend pas le nom des pièces, tu mets juste le nom des cases. Aïe 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 aïe. 5 secondes pour essayer d'aller en G4 apparemment, qui était le coup. Alors, fou D3, ok. Alors là, je me concentre. Je me concentre. Je me concentre. Si je prends... Bah oui, si je prends... Attends. Ah non, en fait, le problème, c'est que j'ai peur. J'ai peur que si je prends, échec, je suis obligé de protéger comme ça et vous me matez, en fait. Donc je peux pas prendre, en fait. On est d'accord. Mais est-ce que je peux sac mon fou, prise, et là je prends? En vrai, c'est peut-être sale, quoi, à mon avis. À mon avis, je vais faire ça, parce que là, je suis ken, je peux rien faire, en fait. Si je prends votre fou, là, vous allez me faire échec. Pas d'autre choix, je me fais mater. Non, je me fais mater. En fait, tout le monde a fait ça, parce que c'est dit, je peux pas prendre le fou. D'accord, mais je peux prendre le pion, prise, je prends ça, vous vous cassez. Je pense que je vais faire ça. Ça dit quoi dans le chat? Aïe, vous m'aidez pas, hein. D'habitude, le chat, ils sont toujours chauds pour m'aider, mais quand je joue contre vous, ça m'aide pas, hein. C'est en mode compétitif, hein. Non, mais là, c'est sûr que je peux pas prendre. Je vois pas comment m'en sortir. Non, y a pas de... Non, y a rien.
H4, je win une play. Ah oui, H4. Ah oui, mais bon. Ah, j'ai pas envie de prendre le coup. Mais oui, H4, en fait, j'évite le mat du couloir. Ah oui. Ah oui, mais je l'avais pas vu. Je l'avais pas vu. Ah, sinon triche. Ah oui, mais bon. Ok, bah je vais jouer ce que je voulais jouer. Qui, je pense, est quand même gagnant. Attends, prise. Tac. Prise. Échec. Je tiens là. Échec, je peux prendre comme ça. Allez, j'envoie. La commu qui reporte le streamer? Comment ça? Report à l'ICHES, ah oui, si je triche, bah oui, mais faut pas donner les coups aussi, les gars. Après, si vous donnez le bon coup et que vous êtes en mode, ah bah, c'était donné dans le chat, t'as pas le droit de le jouer? Non, ça c'est de l'arnaque. Là, je suis honnête, j'aurais pas pensé à H4. J'étais pas du tout parti là-dessus et j'y aurais pas pensé. Du coup, je suis honnête avec vous, je le joue pas. Par contre, si ça donne le bon coup dans le chat et que je trouve le bon coup, je me bats les couilles, je le joue, hein. Oui, je pense que là je suis gagnant, mais effectivement, c'est pas le meilleur coup. C'est pas le meilleur coup. Ah, vous êtes sûr que vous voulez reprendre le fou? Vous êtes sûr? Fou F1 était mauvais. Bah, fou F1, t'avais juste prise, prise. Et le fou allait se cacher, donc je gagnais rien du tout. Là, je gagne un pion. Je gagne un pion, en vrai, ça va être dur à gagner. On va rentrer dans une finale qui va pas être facile à gagner pour moi. Hein, donc, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous partez sur quoi? Bah oui, vous reprenez tranquillement le fou et moi, je vais prendre tranquillement le vôtre. Conclusion, Kasparov a battu le monde et Lampion a battu le chat de la team Pion Jaune. Et voilà, je suis le digne héritier de Kasparov, c'est incroyable les amis. Vous venez de vivre un moment d'histoire en direct, je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous venez de vivre un moment d'histoire.